été arrêté, vous êtes complètement malade. Cette croix, la croix de Louis II est en plein dans le champ, attention! Mais qu'est-ce qui m'a foutu ces acteurs? Ils n'ont jamais vu une caméra ou quoi? J'ai jamais demandé des débutants. C'est un ridicule. Louis II se bat pour essayer de vivre et la croix en son honneur est en plein dans le champ. Ça devient un film comique, t'as vu Suzy? Allez viens, un cigare s'il vous plaît. Non, ils vont tous me rendre fou, c'est pas possible. Faut me virer tous ces incapables. Mais c'est très intéressant. Depuis quand le jeune Dalhoubert fait du cinéma? Aucune idée. T'es complètement débile avec le parapluie. T'es vraiment nul. Ils sont pas capables d'avoir de l'imagination. Et vous avez une ravissante broche. C'est bien ce qu'on appelle un grenat. Je vois que vous vous y connaissez. C'est un bijou de famille. Vos yeux sont encore plus en valeur avec ça. Oh, toujours aussi charmeur. Bon, moi j'y vais. Je commence à m'ennuyer sérieusement. J'ai du travail. Oh non, professeur, encore 5 minutes, s'il vous plaît. Ne joue pas les rabat-joie, Capelliari. Pour une fois que le cinéma vient se perdre dans notre campagne, c'est peut-être la chance d'Hermine de commencer une carrière. Mais oui, hein? Bien sûr. Je vous promets de vous donner un autographe, professeur. Hey. Hey, oh. C'est mon argent que vous foutez en l'air en klaxonnant. Ça ne peut pas durer, Dalhoubert. Je vous avertis, vous allez avoir de mes nouvelles. Je peux très bien, moi aussi, piquer ma crise. Est-ce que vous pouvez être borné? Arrête, Yas. Oh, enfin. Faudrait enlever le camion de mon domaine. On a une autorisation de tourner par ici de la mairie de la commune. Je m'en contrefiche de la mairie de la commune. Ce terrain m'appartient. J'aurais donné l'autorisation, papa. Tant que je vivrai, ce sera mon terrain. Allez, je rentre, moi. Ça ne me fait pas rire, cette histoire. Fichez-moi tous le camp. Restons encore un peu, professeur. L'argent, le tourisme, le parc du roi Louis II. Vous vendez tous nos terres. Vous vendez nos vies. Toi aussi, Capelliari. Et toi, Anna. D'abord le terrain de golf. Ensuite l'hôtel. Et maintenant ça. Franz Dalhoubert, viens avec moi. Nous avons du boulot à la ferme. Papa, attends, voyons. Je produis ce qu'on appelle un clip. Un clip vidéo. C'est un petit film vidéo, tu comprends? Tu étais mon fils. Tu l'es plus maintenant. Allons, monsieur Dalhoubert. Inutile de nous énerver. On peut peut-être régler ce conflit d'une façon civilisée. Tu la boucles, toi! On va voir comment il va pouvoir s'en sortir. Il s'est vendu corps et âme à des escrocs. Mais vous n'aurez jamais ma terre. Je ne la céderai à personne. Et toi, que je ne te vois plus jamais à la ferme. Tu peux crever. Ça suffit, Dalhoubert. T'as pas le droit de dire ça à ton fils. On te remettra la tête à l'endroit un de ces jours. Toi aussi, tu vendras et tu seras même bien content de vendre. Tu ne vivras pas cette ignominie, Anna, pas toi. Marlis, emmène les vaches au pâturage. Yas, viens, on rentre. Je t'ai dit, viens, Yas. Je commence à en avoir assez de ces Dalhoubert. À partir de demain, on va changer de ton. C'est moi qui te le dis, Suzanne. Professeur? Hermine, oh, c'est pas possible. Là, regarde, il y a un truc qui flotte. Jésus-Marie-Joseph. C'est Louis II.
Et Sepp. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, Hermine? Vous auriez dû m'appeler. Je vous ai appelé 3 fois ce matin. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et l'assemblée municipale, vous l'avez oublié aussi? Non, mais j'ai un cours aujourd'hui. Je sais, il ne commence qu'à 11h. Allez, professeur. Enfin, ça ne peut pas rester ici, ça. Ça ne peut pas rester ici, professeur. Il faut qu'on se dépêche. Attendez, j'arrive. C'est monstrueux. Si tôt le matin, on ne peut même pas réfléchir correctement. Parlez pour vous, professeur. N'oubliez pas qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui se lève à 3 ou 4 heures du matin pour aller au travail. Vous avez de la chance. Oui, oui, vous avez raison, Hermine. Un meurtre dans la famille. Évitez de mettre du désordre dans mes documents. Mais un crime de sang, c'est vraiment horrible. Bon, ce n'est pas pire qu'une employée maître chanteur, vous m'excuserez. Gardez votre calme, professeur. Faut faire bonne figure. Faut savoir être au-dessus de tout ça. Rétablissez le calme, je vais faire exploser la bombe. Le temps presse maintenant. Ah, bonjour, Vigard. Victor. Quel cirque. Bon, prenez vos places, nous allons pouvoir commencer. Si dans le parc Louis II, toutes ces attractions sont vraiment construites, on peut dire adieu à notre tranquillité. Mais si ça se construit, ce sera bon pour tes affaires. Mmh. Cela dit, tout ça ne pourra marcher que si le vieux Talouber vend de toute façon. Et lui, il ne vendra jamais. Mesdames et messieurs, le parc Louis II représente l'avenir. Oui, votre avenir. Et nous allons le construire dès maintenant. Miss Singer, vous êtes venu ici pour nous espionner ou Talouber est prêt à vendre? On ne peut rien dire, secret professionnel. Vous avez intérêt à le respecter, sinon je pourrais m'adresser à vous. Nous allons changer l'histoire de la Bavière, votre histoire, mesdames et messieurs. Et nous allons attirer le monde entier. Oui, les gens viendront du monde entier voir ce grand parc. Ils découvriront Louis II, le mécène de Richard Wagner et sa folle passion pour la belle Sissi, l'impératrice Sissi. Oui, nous voulons bâtir un monument à la gloire de votre roi. Comme si Louis II ne s'en était pas déjà chargé lui-même. Nous pouvons vous assurer aujourd'hui votre avenir, comme celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Tout le monde parle de désertion des campagnes, mais nous, nous allons créer des emplois. Ce roi est un personnage très insolite. Et les conditions de sa mort sont toujours aussi mystérieuses. Mesdames et messieurs, Eurofun a décidé d'offrir un prix fabuleux d'1 million de marques exactement. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs. 1 million de marques à celui ou à celle d'entre vous tous qui apportera de quoi éclaircir le mystère de sa mort. 1 million de marques pour la personne parmi la population qui saura élucider la mort de celui qu'on a appelé le roi fou. 1 million. Vous pourriez gagner cet argent en tant que criminologue. C'est ce que j'appelle du marketing. Sepp Talouber est mort. On a retrouvé son corps dans le lac. Laissez-moi passer. Regarde-moi ça, Talouber. On vient de nouveau visiter notre modeste demeure. Eh oui, les temps changent. Oh, c'est pas vrai! Ils sont vraiment impossibles, ces touristes. C'est quoi, ça? C'est toi qui as mis cette cochonnerie? Quoi? Tu te crois tout permis, maintenant, ou quoi? Le grand producteur. Ma sœur n'est plus assez bien pour toi, hein, c'est ça? Maintenant, t'es avec celle-là? Ça te regarde pas. Et tes trucs, tu peux les garder pour toi! Tu ne vas pas balancer ma sœur comme ça. Ça, non! Rapport de l'identité judiciaire de la scène du crime. Jusqu'ici, la victime a été identifiée par 4... 5. C'est bien lui. C'est Talouber, Joseph. Merci. 6 personnes commettant Talouber, T-H-A-L-H-U-B-E-R, dont le prénom est Joseph, demeurant à... Berg au 8 à Robenweg. Lésion importante derrière la tête. L'arme du crime est un objet tranchant. En métal, sans doute, il y a des particules de rouille dans la plaie. L'heure du crime semble être entre 2 et 4 heures du matin. Ce n'est pas bien beau à voir. Vous n'avez qu'à pas regarder, c'est tout. Personne ne vous a appelé. Au revoir, messieurs.
Bon, permettez-moi de vous saluer, monsieur. Oh, bonjour, monsieur le commissaire. Je suis l'ingénieur du son du film. Le commissaire principal de la criminelle, c'est moi qui dirige l'enquête. Il est chez vous, ce roi mort. Ouais, c'est vraiment génial que vous l'ayez trouvé. Oui, et pourquoi flottait-il sur ce lac? En fait, on l'a perdu hier, on l'avait immergé pour une des scènes du film, et il avait disparu. Vous pouvez partir maintenant. Très bien. Il n'arrête pas de vomir, il est vraiment pas bien, il a pas fermé l'œil de la nuit. Oui, d'accord. Et qu'il sorte tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une arme du crime. On s'en occupe. Il faut sortir tout ce qui présente une certaine curiosité. Et s'il n'avait pas été assassiné ici? Et vous, si vous ne disparaissez pas dans la minute, je vous fais arrêter pour entrave à l'action de la police. On a prévenu sa femme. Il est impératif qu'elle vienne identifier aussi ce... Talobert. La victime. Et si je peux vous donner un petit conseil, soignez-vous rapidement, sinon vous allez vous affaiblir. On dit que c'est aussi très bon pour la diarrhée. Au revoir et bon courage. Ah, il faut reconnaître que c'est une aubaine pour certains. Bonjour, Victor. On est venu sur les lieux du crime. C'est horrible, cette histoire avec Joseph. Bon, il faut que j'y aille, j'ai un cours à Munich. Avec un peu de chance, Bast va peut-être arriver à convaincre la veuve. Antonia est devenue une femme riche en une nuit. Et Franz n'a plus rien. C'est vraiment pas de meilleur goût. On peut bien spéculer un peu. Là, je vais y aller aussi. Il y a une vente aux enchères de meubles Louis-Philippe. Une pendule Empire, quelques tableaux de valeur. À bientôt. Victor! C'est bien Joseph. Il est mort. Je suis vraiment désolé, Antonia. C'est un meurtre, Victor, un meurtre. Tu pourrais... Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Je ne vois pas comment. Victor! Vous êtes toujours par ici, vous. Il faut que je me sauve. Je ne peux pas rester, j'ai un cours. Madame Antonia Talouber? Oui. Möllewald. Kreulich, de la brigade criminelle de Fürstenbruck. Sincère condoléance, madame. Si tu as besoin de quelque chose, je serai cet après-midi à la maison. Si vous voulez bien nous suivre. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites? Je voudrais une contravention. Telle que vous l'avez attachée, cette machine à laver est dangereuse. 50 marques. Vous ne pouvez pas fermer l'œil là-dessus. Il s'agit d'un meurtre, quand même. Vous savez, moi aussi, j'aimerais mieux m'occuper des crimes. Bonjour, Franz. Sincère condoléance. Quoi? Comment? Et l'envoie, le pauvre Dieu l'a terrassé et déclaré là. Le fils est persuadé que la mère a assassiné le père pour avoir la possibilité d'épouser son amant. Il provoque un terrible bain de sang et puis il finit par se tuer lui-même. Avouez que c'est un peu fort, non? Et cette histoire, je ne l'ai pas trouvée dans un journal à sensation, je l'ai trouvée dans un ouvrage de William Shakespeare, Hamlet. Comme vous le voyez, les crimes crapuleux dans les familles ont aussi leur tradition dans la littérature. Bon, et pour terminer, quelques chiffres des statistiques judiciaires qui vont sans doute vous étonner. 85% des meurtres sont commis dans le cadre de la famille. 95% de ces crimes sont commis sous l'influence de l'alcool. Et à propos d'alcool, connaissez-vous ce poème? Il était une fois un homme qui commença à boire à 18 ans. Et il mourut à 80 ans. La raison, nous la connaissons. Il était une fois un enfant qui mourut bien trop tôt. Le pauvre n'avait qu'un an. Et la raison, nous la connaissons. Il ne but jamais d'alcool et il mourut à un an. Ce qui nous fait comprendre combien l'alcool peut être sans danger. C'est de Bertolt Brecht. Ne le prenez pas au mot. Merci beaucoup. Alors, il m'invite pas à boire un cognac? Non, c'était pas possible maintenant, je suis désolé. Il faut que je rentre tout de suite, il vient d'y avoir un meurtre. Quoi?
Oui, le vieux Talouber a été assassiné. Ah, c'est totalement ridicule. Le vieux Talouber est mort il y a déjà une trentaine d'années. Non, là, tu évoques le père, papa. Je te parle du fils de Joseph. Ah, Joseph. Ah, je l'ai fait sauter sur mes genoux quand il était bambin. C'était quand j'avais quel âge? Attends que je calcule. Eh oui. Oui, enfin... Tu n'as pas besoin d'une machine à laver, par hasard? Quoi? Elle marche encore pas mal, tu sais, à parler sans rage, c'est tout. Mais bon sang, si je dis que j'étais pas là, c'est que j'étais pas là! Qui a hurlé comme un malade, alors, cette nuit? J'en ai aucune idée, c'est pas moi, en tout cas. Ton père était hors de lui quand il est revenu, c'était pas croyable. Vous avez un caractère de chien, tous les deux. Antonia, une vie nouvelle va commencer, une vie fabuleuse. Tu as bu ma parole. Il n'arrêtait pas de te battre, c'était un vrai tyran, cruel. Lâche-moi, voyons, France. Il avait plus le droit de vivre, plus le droit. Lâche-moi, France. Monsieur Talouber. Vous êtes vraiment dingue, toi et ton père. Monsieur Talouber. Brigade criminelle! Monsieur Talouber! Madame Talouber, nous cherchons votre fils. C'est sa voiture? Pourquoi? Vous voulez l'acheter? On n'a pas le cœur à rire. Votre père a été assassiné la nuit dernière. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'on jette un œil dans la ferme? Jolie voiture. Eh, touchez pas! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui vous permet de faire ça? Doucement! Allons doucement! Franck! Eh, toi, tu te mêles pas de ça! Nous allons vous demander de nous suivre, monsieur Talouber. On emmène aussi la voiture, c'est pour l'examiner. Bah ça va, arrêtez votre cirque! Tout ça simplement pour faire un petit tour avec ma voiture! Ah, enfin! Entrez, entrez vite, s'il vous plaît! Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Hermine? Il y a une dame qui vous attend depuis une heure. Qui est cette dame? C'est madame Talouber, elle est toute en noir. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite? Vous, alors, vous n'êtes jamais content. Victor, il faut que tu nous aides. Il n'y a que toi qui puisse nous aider, Franz et moi. Alors, je voudrais t'engager. Il ne faut pas que Franz aille en prison. Il n'a rien fait de mal. Hermine, vous voulez nous faire une petite tisane? Nous avons une tisane chinoise. Tu es toujours fascinée par la Chine. Je vais voir. Tiens. Qu'est-ce que c'est? De l'argent, Victor. Il y a 10 000 marques. J'espère que c'est suffisant pour un maître de conférence. Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. L'argent n'a pas d'importance dans cette histoire. Oh, tu ne peux pas m'engager. Voyons, je ne suis pas un détective privé. Ça n'a rien à voir. Ne discute pas avec moi, Victor. J'ai vraiment besoin de ton aide. Ils l'ont emmené comme un voyou. Quoi? Ils ont arrêté Franz? Ils ont fouillé sa voiture et ils sont partis avec elle aussi. Sa voiture? Pourquoi ça? Ils n'ont pas voulu le dire. Il y en a un qui a mis quelque chose dans un sac en plastique. C'était quoi? Des trucs, c'est saleté. Et ce qu'il y a de pire, c'est que ça pourrait être lui. Ils étaient aussi têtus l'un que l'autre. Ils n'arrêtaient pas de s'accrocher, et pas plus tard qu'hier encore. Oui, je sais, j'ai vu la scène, là-bas au lac. Non, non, pas au lac, mais cette nuit à la ferme. Ah, et à quel propos ils se sont disputés? Oh, comme d'habitude, à cause de l'argent. Franz est d'avis de vendre la ferme. Les autres ont déjà tous vendu leurs terres dans la région. Tu sais, c'est pour construire le parc d'attractions. Et Bast nous a même proposé 11 millions pour le terrain. Ouais. Tu n'étais pas au courant? Et toi, est-ce que tu as revendu? Moi? Hein? Personne ne m'a demandé mon avis. Je vais te dire une chose. Nous n'avons pas de tisane chinoise. Mais j'ai du thé à la menthe. Eh bien, apportez un thé à la menthe. Merci. C'est vrai ce que racontent les gens du village? On dit qu'ils te battaient, Joseph. C'était pas quelqu'un de si mauvais que ça. Son seul défaut, c'était qu'il piquait des crises violentes. Et dans ces cas-là, il disjonctait complètement. Il était complètement déchaîné, il hurlait. Il disait qu'il voulait déshériter Franz. Et c'était seulement après avoir téléphoné à Bissinger qu'il a fini par se calmer. Qui c'est, ce Bissinger? Son avocat. Et puis je l'ai vu devant moi. Il avait une pelle à la main. C'était horrible. Il avait une pelle pour aller voir l'avocat?
Franz est mort pour moi, c'est ce qu'il a crié en s'en allant. Il était comme possédé. Il disait n'importe quoi. Des choses sans queue ni tête. Il faut que tu m'aides. Laisse ça. 11 millions. C'est une somme énorme. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour ça. Merci, Victor. Madame Sinbach, il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes empressée de faire détruire votre pension, qui devait être classée monument historique. Et aujourd'hui, nous avons un hôtel en béton. Il va y avoir besoin de lits quand le parc Louis II va ouvrir. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. S'il n'y a pas d'hôtel, je ne vois pas comment on les hébergera. Monsieur le maire, étant donné que la sauvegarde du patrimoine bavarois ne tient pas beaucoup à cœur, on s'étonne de votre engagement pour le parc Louis II. Attendez, permettez-moi de vous contredire. Je tiens à conserver notre patrimoine, excusez-moi. Je ferai tout mon possible pour le protéger, je parle aussi au nom de mon parti. Dites, c'est vraiment horrible ce meurtre de monsieur Tahuber. La construction de ce parc va bouleverser le paysage de nos campagnes. Oui. Or, nous avons beaucoup de touristes qui... Et maintenant, la police a embarqué Franz. Mais pourquoi il était à l'hôtel avec... Oui. Ou alors, y était pas. Est-ce que vous pensez que le meurtre de ce cultivateur a un rapport avec cette histoire? Croyez-moi sur parole, chère madame. Cet accident tragique qui nous touche tous énormément n'a strictement rien à voir avec le projet de construction de ce parc. Monsieur Bast? Docteur Fred Bast, Europhone. Cologne, New York, Copenhague. Ah, Cuba? Non, non, pas Cuba. Ah oui. Naturellement, Cuba. Vous en voulez un? Capelliari, Victor. Capelliari, merci. Enchanté. Vous habitez par ici? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais avoir des infos sur Louis II, le fameux parc d'attractions, vous savez. Un formidable projet. C'est tragique. Pardon? Oui, ce meurtre. Oui, c'est souvent le cas. Je parle du meurtre, bien sûr. C'est tragique. Vous connaissez la veuve? Antonia Talhuber est une très bonne amie. Alors, vous devez savoir. Non, au contraire. Je suis natif de la région et je me demande si ce meurtre... Qu'est-ce que vous vous demandez? Je me demande si le meurtre peut avoir un rapport avec la construction du parc. C'est grotesque. Vous savez que vous êtes un malade. Démarre. Bonjour. Bonjour. Capelliari. Oui. J'ai rendez-vous avec monsieur... Attention, allez-y doucement. Oh. C'est pas n'importe quoi, ce tableau. Sa valeur doit atteindre les 10 000 marques. Ah, Winger, qu'est-ce que tu fabriques là? Et toi alors? Tu bénéficies aussi des bonnes grâces du docteur Bast. Oh, toi, ne mens pas. Le million t'attire aussi. Enfin, je n'en sais trop rien. J'ai un curieux pressentiment. Professeur Capelliari? Ah, Madame Weber. Oui, je suis l'assistante de monsieur Bast. Je vous en prie, entrez. Vous êtes un homme tout à fait intéressant, monsieur Capelliari. Professeur en droit et en criminologie. Je vous en prie. Merci. Vous qui êtes spécialiste de crimes en tout genre, vous devez avoir un avis personnel sur la question. J'aimerais en savoir autant que vous semblez m'en faire crédit, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, Madame Weber. Suzanne. Oh, alors, Suzanne. Monsieur Vigor Backhaus, vous le connaissez bien. C'est un spécialiste. Oui, effectivement, mais c'est avant tout un collectionneur et un collectionneur passionné. Je crois que c'est lui qui connaît le mieux tout ce qui peut concerner Louis II. Il travaille pour nous. Il est conseiller artistique. Il a un goût tout à fait remarquable et c'est un connaisseur exceptionnel de l'art bavarois. C'est joli. Mmh. Oh, ça. Ma tante Elisabeth en avait un qui ressemblait à ça. Oui, vraiment. C'est mon mari qui me l'a offert. Ah. Donc, mon ex-mari. Je suppose que le travail doit être passionnant ici. Depuis quand travaillez-vous pour Europhone? Vos questions ne sont pas très originales. La PJ m'a posé ces mêmes questions. Monsieur Bast est mon employeur et je ne veux pas lui créer des problèmes. Je ne parlerai pas de sa vie privée, désolé. À propos de vie privée, si je ne me trompe pas, vous êtes très ami avec le jeune Talhuber, n'est-ce pas? Je vois que vous jouez aussi les détectives privés, professeur. Je vous ai observé quand vous conseilliez Franz. C'était juste après la dispute près du lac. Et Franz est toujours au poste de police. Il ne le lâche plus, le pauvre. La nuit du meurtre, il était avec moi, monsieur Capelliari. Il est arrivé vers 23 heures environ. Et le matin, quand je suis partie pour l'Assemblée municipale, il était encore endormi. Et vous l'avez dit à la police?
Alors, monsieur Talhuber, reprenons depuis le début. Bonjour, messieurs. Salut, Franz. Vous manquez pas de culot, vous. L'autopsie de Talhuber sera pratiquée demain. C'est incroyable. Bonjour. Ah, vous. Une petite question. Non, aucune. Vous avez entendu. Je vous rappelle. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, messieurs. On n'a pas le temps de jouer aux devinettes. Ah, je voudrais dire un mot à monsieur Mollewald. Un mot. Alors, monsieur Talhuber, reprenons depuis le début. Café? Volontiers. Votre principal suspect a un alibi pour cette nuit. J'ai quelqu'un qui affirme avoir été avec lui à l'heure où le crime a été commis. Et c'est qui, ce quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le coffre de la voiture? Comment vous pouvez être au courant? Ah, on va pas beaucoup avancer comme ça. Du saleté, peut-être avec des traces de sang. Les analyses en laboratoire nous en diront plus. Ah, et alors? Talhuber prétend qu'il est arrivé quand quelqu'un s'apprêtait à glisser une pelle ensanglantée dans son coffre. Un certain Jochen Simbach. Oh, Jochen Simbach. Vous le connaissez? Oui, mais vous l'avez interrogé? Oui. Il nie tout et il prétend ne pas comprendre cette histoire de pelle. Ah. Et pour Talhuber, qui lui fournit un alibi? C'est la secrétaire du docteur Bast, Suzanne Weber. Et la pelle, vous l'avez retrouvée? Non, Talhuber dit qu'il a acheté la pelle au pied de Simbach et qu'il est reparti. Et Simbach prétend qu'il n'est pas au courant. Vous avez terminé. Et Bast, vous avez vérifié s'il avait un alibi? Oui, bien entendu. Il a un alibi en béton. Alors? Oui, j'arrive. Et le café? Yas? Denis? Oh, vigueur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche, Antonia. Je voulais simplement te dire que j'étais vraiment triste pour Youssef. Nous étions de vieux amis tous les deux. Oui. Jusqu'à ce qu'il se dispute avec toi, bien sûr. Tu sais, c'était pas facile avec le vieux Sepp. C'était effectivement une sacrée tête de mule. Ça n'a pas dû être drôle tous les jours avec lui. Cette jalousie maladive envers son fils. Si je peux t'aider, Antonia. C'est vrai, tu te retrouves avec la ferme et tout ce qui va avec. Tu vas être débordé par les animaux, par toute la paperasserie. Je te remercie, Louis. Bon, très bien. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille maintenant. Oh, bonjour, Vigueur. Toujours là où il y a des créatures de rêve. Je pourrais en dire autant pour toi. J'y vais. Enfin, t'es à pied, je peux te raccompagner après. Merci, je me suis garé derrière la maison. Pourquoi il se gare derrière la maison? Qu'est-ce qu'il te voulait? Il m'a seulement proposé de me donner un coup de main. Franz va être mis en liberté, il a un alibi. Quoi? Oui, Suzanne Weber, c'est l'assistante de Bast. Mademoiselle prétend qu'elle a passé la nuit avec lui. Qu'ils la croient s'ils veulent. Elle se sert uniquement de lui. Mais pourquoi tu n'es pas contente? C'est bien ce que tu voulais, non? Tant que le contraire n'est pas prouvé. C'est donc vrai ce que les gens racontent, alors? C'est incroyable. Je me comporte déjà comme une belle-mère acariâtre. Je suis ridicule. Antonia, qu'est-ce que Joseph faisait en pleine nuit, une pelle à la main? Même dans une ferme ultra-moderne, on peut avoir besoin d'une pelle. Et pourquoi tu n'as pas remarqué son absence? Dans la nuit ou en te levant le matin? Nous avions arrêté de remarquer l'absence de l'autre. Ça fait déjà longtemps. Cette histoire avec Talhuber, elle perturbe drôlement notre petite communauté qui est tellement intègre. Tu parles de ce meurtre? Vas-y, dis-le. Le meurtre. Oui, le pauvre Franz. D'après toi, quelle preuve peut avoir la police pour le retenir là-bas comme ça? Comment voulez-vous que je le sache? Avoue que ça t'arrange bigrement que ce soit tombé sur lui, hein? Il a osé plaquer ta sœur pour une autre. C'est dur à avaler, ça. Il croit qu'il mérite mieux que ma sœur, ce Talhuber. Non, mais de là en faire à l'assassin pour ça. Où est la pelle? Quoi? Quelle pelle? Ça veut dire quoi, cette plaisanterie? Je vous ai dit que j'étais pas au courant pour la pelle. Il n'est pas assez débile pour avoir inventé une histoire aussi farfelue. Allez,
Je vais lui faire payer ce qu'il a fait, Herzi. Alors, où est la pelle? Eh bien, alors, je vais demander à ta mère. Bonjour, Madame Simbach. Bon, ça va, je l'ai gardé dans ma voiture, mais vous n'en parlez à personne d'autre. Nous parviendrons sûrement à nous entendre, professeur. Si vous voulez bien nous faire l'honneur de venir fêter votre 60e anniversaire chez nous. Bonjour, professeur. Dites, j'ai bien entendu. Vous voulez fêter votre 60e anniversaire dans notre établissement? Vous savez déjà combien vous allez avoir d'invités? Je vais y penser, je vous rappelle dès que j'ai décidé. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt alors, professeur. Ça alors? Il m'a l'air perturbé aujourd'hui. Il va déjà avoir 60 ans. Jésus, Marie-Joseph! Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que vous saviez aussi réparer les vélos. Je fais quoi maintenant? Il faut d'abord faire preuve de sérénité devant l'adversité. Avec cette pluie, vous allez coucher dans la cabane dans le jardin. Vous êtes un véritable sadique, il y a des souris. Bon, alors d'accord, dans le bureau. Mais cette saleté, elle ne doit pas entrer dans la maison. C'est une pièce à conviction de la plus haute importance. Parce que vous jouez les chercheurs de trésors maintenant? J'ai posé des prospectus pour une nouvelle machine à laver sur la table. Est-ce qu'il reste quelque chose à manger? Ça n'ouvre pas l'appétit, professeur. Ah! Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Tiens, tiens. Ça, c'est peut-être du sang. Et ça, ce sont des poils. Des poils d'un animal? Je ne crois pas, Hermine. J'ai l'impression que le vieux Talouber a été assassiné avec cette pelle. C'est terrible. Qu'est-ce que vous allez faire? Appelez Bach à l'aide. Vous avez l'intention de dormir à côté de l'arme du crime? Oh, ça, jamais de la vie. Je préfère encore rentrer en poussant mon vélo. Hermine, c'est seulement une pelle avec quelques traces de sang. Vous voulez un apéritif? Oui. Alors venez. Ah ben ça alors? S'il écoute Bach tous les soirs... Je peux savoir pourquoi t'as fait ça? C'était pour toi. Et pour moi. Ou pour nous. Et aussi à cause de cette histoire que tu m'as racontée. Comment ça, l'histoire? Je t'ai rien raconté du tout. Allez, Franz. Je te jure que tu peux me faire confiance. C'est ton père qui t'a mis au courant? Ou alors tout ce que tu as dit était faux? Ça ne te regarde pas. C'est simplement un secret entre mon père et moi. Allez, tu ne vas pas le garder pour toi. Franz. Tu m'aimes vraiment? Je suppose, oui. Alors j'ai un joli petit cadeau pour toi. Ça rend joyeux, ça rend heureux. Et c'est particulièrement difficile à trouver. Montre-moi, c'est ça. C'est une fortune. Donne-le-moi. Allez. Qu'est-ce que j'en ai en échange? Un baiser. Franz. Dans le coin, il y a un maximum de ces idiots. Ces soi-disant chercheurs de trésors. Ils ne trouveront rien. Rien du tout. Faut que j'aille voir. Oui.
va, professeur? Donc personne ne vient récupérer la pelle. Des hérissons. Plainte contre X, violation de l'ordre public, effraction, deux bagarres, quatre cambriolages, et ça ne fait que commencer. 1 million de marks, c'est beaucoup d'argent. Une seconde. Pas le temps. Tenez. Nous sommes à la PJ, c'est pas une décharge publique? C'est quoi ça? C'est une pelle, tranchante, en métal. Et où l'avez-vous trouvée? Je peux avoir un café. Si on peut appeler ça un café. Quelqu'un a glissé discrètement la pelle dans le coffre de la voiture de Franz. Simbach. En fait, Franz l'a trouvée par hasard. La pelle est pleine de terre fraîche. Il faut avoir en tête qu'il n'est pas encore au courant de la mort de son père. Je suppose que vous avez vu sa nouvelle voiture. Oui, pas mal du tout. Justement, c'est une voiture superbe qui brille comme une pièce d'or. Tout est impeccable. Que fait Franz? Il prend la pelle sale et hop là. C'est une possibilité. Il a pu trouver une autre solution pour elle. Deuxième possibilité, où le jeune Talhuber est chargé de faire disparaître la pelle car il est complice de l'assassin. Par amour, peut-être. Ça veut dire quoi, ça? Dans un village comme celui-là, il y a beaucoup de ragots. Et de potins. On raconte certaines choses bizarres entre le jeune Talhuber et les femmes. Oui, et la jeune Madame Talhuber. Ah, les gens, tout ça parce que c'est sa belle-mère. C'est vraiment insensé. Vous avez peut-être une hypothèse plausible qui expliquerait pourquoi Madame Talhuber n'a pas remarqué l'absence de son mari. Antonia n'a rien à voir là-dedans. Et je vous le prouverai. Ne vous mêlez pas de notre enquête, s'il vous plaît. Et vous, envoyez cette pelle au laboratoire, hein? C'est incroyable comme certains se fourrent dans des guépiers d'enfer. Je me demande ce qu'il a. Une chasse au trésor au cyberspace. Nous allons tout expliquer. Chaque indication, chaque bricole, chaque chose, tout ce qu'ils peuvent rapporter. Le meurtre du célèbre roi fou comme attraction virtuelle, c'est une grande trouvaille, ça. C'est le méga événement. Ça pourrait devenir le cœur du parc Louis II. Il faut absolument commencer le dépouillement. C'est déjà fait. On en est où avec l'histoire Talhuber? La veuve semble prête. Elle vendrait. Il n'y a que le fils qui paraît résister. Quoi? Comment ça? Il fait des difficultés? On va s'en occuper tout de suite. Et ensuite, plus rien ne nous empêchera de passer à l'action. Il ne faut pas t'énerver. Je pense qu'il faut déjà attendre l'ouverture du testament. Oui, bien sûr. Dis-moi, jolie Suzanne, qu'est-ce qu'on porte sous cette petite robe? Tu veux vraiment le savoir? Peut-être, mais peut-être pas. Excusez-moi. Oui, j'arrive. Il y a quelqu'un qui vous demande et je peux pas m'en débarrasser. Monsieur Bast, est-ce que c'est pour Eurofun que votre assistante couche avec Monsieur Talhuber? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Weber? Est-ce que coucher fait partie de votre travail ou est-ce que vous avez improvisé? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Sans le terrain de Talhuber, vous êtes perdu. Oui, Monsieur Bast, vous êtes donc obligé de tout essayer. Vous êtes particulièrement ridicule, mon cher professeur. Laissez donc les professionnels de la police se charger des voyous. Je suis un homme d'affaires, je ne peux pas me permettre vos délires. Et pourquoi pas? Le délire, ça fait partie de votre affaire, pourtant. Faut m'excuser. Joseph Talhuber vous a appelé le soir vers les 22h, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Ah, voilà le dossier. Ce n'était pas par hasard pour une modification du testament. Laissez-moi tranquille maintenant. Je suis seul aujourd'hui. Je voudrais bien faire mon travail. Oui, 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 oui. Vous me l'avez déjà dit. C'est pour elle que les affaires marchent aussi bien, cher maître. Hey. Tu vas bien trouver quelque chose, Antonia. Quoi? Comment? Mais comment ça, c'est illégal? Mais bon sang, appelle-le! Pour le chien. J'avais complètement oublié. Ah oui, merci, j'ai remarqué.
Je peux savoir si ça t'arrive souvent? De forcer les portes? C'est pas si simple que ça. J'aimerais bien savoir ce que tu as raconté à Bissinger au téléphone. Il a été pressé tout d'un coup. Change pas de sujet, s'il te plaît. Je lui ai simplement dit que j'allais régler ses factures. Voilà. Merci. Alors? Tu as découvert quelque chose, au moins? Des notes écrites à la main sur une modification du testament. À 22h25. C'est quelqu'un de consciencieux, ce monsieur Bissinger. Ton mari voulait réellement déshériter son fils. Tu ne le savais pas? Il le menaçait de le faire sans arrêt, mais de là à ce qu'il le fasse... Tu aurais hérité de tout le paquet. Non, c'est pas vrai. À l'exception d'un moulin, il serait revenu à l'administration des châteaux et des lacs, avec l'obligation de ne jamais le détruire. C'était un fou ton Yosef. Le vieux moulin de la prairie du roi. Antonia, parle-moi encore une fois de la nuit où il y a eu cette dispute. En fait, je regardais la télévision. Et brusquement, j'ai entendu des hurlements. Et tu as compris quelque chose? Non. Tu sais qui se disputait? Oui, c'était Seb. Je ne peux pas le jurer, mais j'ai pensé que Seb se disputait une fois de plus avec Franz. Oui. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus vraisemblable. Essaie de te rappeler. Tu es sûr que c'était Franz? Non. Non, mais si Franz était au courant pour la modification du testament... Yosef voulait aussi changer autre chose dans le testament. Tu aurais hérité de tout ce qu'il avait, mais... tu n'aurais pas été autorisé à vendre. Pas la moindre prairie. Alors ça signifie que j'aurais eu un mobile aussi pour assassiner Sepp, n'est-ce pas? Écoute, Talhuber a décidé de déshériter son fils. Peu de temps après, le vieux est tué entre minuit et 4 heures du matin. Ça ressemble à un mauvais roman de gare. Oui, ça c'est vrai. Les soupçons se portent naturellement sur Franz. Mais il a un alibi. Il était avec sa maîtresse entre 23h et 9h30 du matin. Il y a même des témoins. Professeur, malgré votre blessure, s'il vous plaît, encore un mot au sujet de Zeus. Quoi? Ah, vous voulez parler de la machine à laver plus tard, Hermine? Oui, mais... mais vous voyez bien que nous sommes en pleine analyse. Alors vous devriez commencer par votre compte en banque. Nous avons un petit problème financier, à vrai dire. Je ne peux rien te prêter, mon pauvre ami. Je suis vraiment fauché. C'est pas difficile de devenir père. En revanche, être père est particulièrement compliqué, crois-moi. D'abord, on aime jouer le rôle parce que c'est plutôt apprécié. Et le fait que Suzanne Weber travaille aussi pour le parc Louis II, c'est vraiment une coïncidence curieuse. Admettons que Franz et Suzanne Weber soient complices, alors il tue le vieux. Parce qu'il sait qu'il peut placer sa part chez ces types du hommage, un truc là. Et sa jeune mère, elle, elle ne pense qu'à l'argent et rien d'autre. Pourquoi vous vous acharnez à dire du mal d'Antonia, Hermine? Regardez-la donc. Il faut rester objectif, Hermine. Le professeur n'a pas envie d'entendre ça. Excuse-moi, papa. Non, 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 j'y vais, Hermine. Oh, cher professeur, c'est gentil d'être venu aussi vite. Vous cherchez toujours le truc, le, comment dire, le motif des malfaiteurs. Le mobile? Oui, c'est ça, vous cherchez toujours le mobile, ouais. Celui du coupable. Bonsoir. Franz, il avait un motif. Ah bon? Demandez à ma mère, elle lui a prêté de l'argent, il a hypothéqué son héritage. Attendez, Franz n'a absolument rien hérité. C'est pour très bientôt. Ma mère et monsieur Bast, de Rofen. Comment ça? L'honnête monsieur Bast est ta jeune mère? Eh oui. Et où est-elle? Au premier étage, mais... mais... Bonsoir, professeur. Bonsoir. Oh, bonsoir, professeur. Qu'est-ce qui se passe? Cet anniversaire vous préoccupe? Le quoi? Ah, non, 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 non. On a encore le temps. Mais vous pouvez m'aider malgré tout.
Est-ce que Franz Taluber aurait des dettes chez vous? Je vois que les murs ont de bonnes oreilles, dites-donc. Madame Simbach, pourquoi le jeune Taluber vous emprunte-t-il de l'argent? Parce qu'il en a besoin pour vivre, sans doute. Et parce que Joseph lui serre la ceinture. Lui serrait la ceinture. Quand vous avez fait abattre cette pension et que vous avez fait bâtir un établissement hôtelier d'une centaine de lits... De 163 lits, vous m'excuserez. Vous n'avez pas visé un peu trop haut, d'après vous, financièrement, je veux dire. Cher professeur, je vous signale que je suis une femme d'affaires. Je veux que mes enfants aient une meilleure vie. Je suis arrivée ici sans rien. J'étais une réfugiée qui avait fui la guerre. En fait, tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui l'ai créé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours su compter, professeur. Oui, toujours. Je n'ai pas eu le choix. Et si jamais le parc Louis II ne devait finalement pas être construit? Oh, il le sera sûrement. Vous pouvez me faire confiance. Mais si ce n'est pas le cas, vous serez totalement ruiné. Le fait que le vieux Taluber ne soit plus là arrange vos affaires. La route vers la fortune vous est grande ouverte. Il a été raisonnable de penser que votre fils ait un peu poussé la roue du destin. Cher professeur, si mon brave fils Jochen avait le sens des affaires, je n'aurais pas besoin de me faire autant de soucis pour son avenir. Arrête! Je fais ce Mais que je qu'est-ce veux qu'est-ce que c'est que ce bruit en bas? Ah, donc c'est toi, hein? C'est toi qui as mis cette pelle dans ma voiture, pauvre enfoiré! T'as pas intérêt à me toucher! C'est toi qui es complètement taré! Arrêtez! Tu veux te débarrasser de moi? Tu peux pas supporter que les femmes me courent après comme ça devant toi? Il s'agit pas de ta sœur et du fait que je l'ai laissé tomber, hein? Et il s'agit de nous deux, c'est ça? J'y peux rien si tu tombes pas une fille. Faut en vouloir je à tes parents. Je vais te démolir, Taluber! Tu vas tuer! Non! Arrête, arrête! C'est la vieille qui est derrière tout ça! Vous êtes tous des traîtres! Le père avait bien raison! Et toi aussi! Toi aussi, t'es dans le coup! Si c'est vraiment ce que tu penses, ce n'est plus la peine que je mente alors. La nuit du meurtre, Franz est venu chez moi. Mais plus tard, beaucoup plus tard. C'est la vérité, Franz? Bonjour, vous êtes monsieur Capelliari? Oui, pourquoi? Il y a eu un cambriolage chez vous. Quoi? Allez voir mon collègue, il va tout vous expliquer. Merci. Je ne sais pas ce qu'ils ont emporté, moi. Le professeur n'est pas encore arrivé. Hermine, j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose. Oh, professeur, c'est impensable. Oh non. Vous voyez, c'est la PJ. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ça n'est pas si étonnant. C'est le 7e cambriolage depuis qu'Orofen a proposé cette récompense d'un million de marques. Faut reconnaître que tous les gens disjonctent. Dehors. Nous avons été prévenus par radio que votre employé de maison avait appelé la police. J'ai dit dehors! C'est avec votre club de golf. Dehors! S'il vous plaît, messieurs.
C'est un authentique Stengel-Wagner, un chef-d'œuvre. Vous ne m'apportez que des objets nuls. Vous avez pas ça vous-même dans le garage? C'est un original de l'école de Munich. C'est peut-être pas l'œuvre la plus importante, mais vous ne voulez pas non plus une galerie de chefs-d'œuvre, ou alors j'ai mal compris? Non, 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 vous avez parfaitement compris cette fois. Je ne veux pas de chefs-d'œuvre, mais je ne veux pas de déchets. Suzanne, faites en sorte que M. Backhaus remplisse ses engagements de son contrat. Vous êtes suffisamment bien payé. Suzanne, Madame Weber, s'il vous plaît, vous voulez Monsieur bien Bast, j'ai vraiment demandé à vous M. Vous ne m'avez Backhaus... pas chargé de rapporter des nullités pareilles, sinon je me poserai de sérieuses questions sur votre rôle. Allez dehors avec cette horreur. Enfin, qu'est-ce que vous dites? Ça n'est pas une horreur. Vous savez très bien que Monsieur Backhaus, que vous ne trouvez pas bizarre que dans votre propre collection vous ayez de véritables pièces de collection et des croûtes de 15e ordre? Avant de vous l'apporter, j'ai fait faire une expertise. Oui, je peux imaginer comment vous l'avez obtenu. Venez, Suzanne, on a du travail. Monsieur Bast. Ne vous en faites pas. Il pense pas ce qu'il dit. J'en ai pour 2 minutes, mais il faudrait que je parle encore à Madame Weber. Vous pourriez avoir la gentillesse de... Je ne vous garantis pas de réussir. La réunion va commencer. Qu'est-ce qu'il a fait? Dehors! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Simbach et ce pauvre imbécile est allé voir la police? Ça, bravo. J'ai besoin de sa signature sur les contrats et aujourd'hui en plus, j'ai rendez-vous avec la veuve. La Talhuber veut vendre. Tu penses que pour le père, c'est... Je m'en balance de ce qu'il a fait! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que tu t'es entiché de ce bouseux. Suzanne, nous allons enfin réaliser notre rêve. C'est bien toi qui es venu me trouver avec cette idée. Quand nous aurons signé tous les contrats nécessaires, le parc Louis II sera ton premier vrai projet. J'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas craquer maintenant? Il faut que tu serres les dents, il faut apprendre à se battre. Tu entends ce que je dis? Il faut savoir s'accrocher pour arriver à réaliser son rêve. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont tous les gens qui viennent pour le million. C'est Weber qui s'occupe de ça. Entrez! Ah, c'est vous. Le jeune Talhuber est là? Oui, et il va rester là, on le garde en détention pour l'instant. Et lui? Il est chez le procureur général. Ah, c'est parce qu'il est franchement désagréable avec tout le monde. Parce que l'enquête est terminée. Quoi? L'appel est bien l'arme du crime. Au fait, merci, Capellieri. Nous avons bien le sang de Talhuber, les empreintes digitales de Franz, et en plus, son alibi ne tient plus. Ah bon? Et que dit Franz à ce propos? Cette déclaration correspond plus ou moins à la version rectifiée de Weber. Il n'est pas arrivé à 23h, mais plus tard. Il était très énervé et elle a préféré ne pas le mettre dehors en pleine nuit. Elle s'en souvient. Ah, et avant, il était où? Il raconte un peu n'importe quoi à propos d'un monument. Il affirme avoir attendu Suzanne Weber là-bas. Et il a décidé d'aller la retrouver à l'hôtel. Ah. Et que donne l'autopsie du vieux Talhuber? Sa mort a eu lieu entre minuit et 2h45 et au fait, ce n'était pas au lac. Et c'était où? Aucune idée. Dans sa ferme, il y a des chances. On peut encore savoir si sa femme Antonia Talhuber a quelque chose à voir avec ce meurtre. Vous avez autre chose, à part des présomptions qui reposent sur rien? Le valet de ferme a entendu la voiture du jeune Talhuber entrer dans la ferme un peu avant l'heure du crime. Entendu, hein, entendu, ne sont pas des preuves. Vous permettez que je parle à Franz, seul à seul? À condition que Kreulich ne le sache jamais. Promis. Mais méfiez-vous, c'est quelqu'un de dangereux. Il croit que c'est moi. Oui, entre nous, tout indique que c'est toi. Je ne l'ai pas tué. Cette liaison avec Suzanne Weber, comment a-t-elle commencé? En quoi ça vous regarde? Je te parle parce que je veux t'aider, Franz. Alors c'est moi qui pose les questions. C'est Bast. Il a dit que je deviendrais un producteur de cinéma. Il m'a prêté de l'argent. C'était pour que j'achète une voiture géniale et même des fringues, parce qu'un producteur doit forcément se faire remarquer. Mmh. Et avec Anna Simbach, tu as des dettes aussi? Ne me parlez pas d'elle. C'est une vraie banquière, cette femme-là. Elle vendrait sa mère pour son affaire. Et son fils, là, le Jochen, ça c'est un faux jeton de première. Dis-moi ce qu'ils attendaient en échange. Je devais convaincre mon père de vendre à Eurofun. C'est comme ça que j'ai connu Suzy. Elle voulait quelque chose... Comment ça? Est-ce que c'est toi qui l'intéressais en tant qu'amant? Ou autre chose? Pourquoi ça? Quoi? Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Franz, réponds. J'ai donné ma parole. Et papa n'est même pas encore enterré. Ah, puis ça fait rien. Ce ne sont que des ragots grotesques, de toute façon. Hein?
Quel ragot? Vas-y, explique-moi un peu. Voilà, le roi Louis II. Il savait qu'il y avait un complot contre lui, qu'on cherchait à s'en débarrasser. Et c'est pour cette raison qu'on l'accusait d'être fou. Il savait aussi que toutes ses lettres étaient interceptées, lues attentivement. Pour arriver à faire sortir son courrier de son château, il était obligé d'imaginer une ruse assez surprenante. Et c'était quoi, cette ruse? Il a utilisé son parapluie. En fait, il en avait deux. Dans le premier, le serviteur du roi plaçait les papiers en question. Le deuxième était planqué dans les buissons. Lors de ses promenades dans le parc, le roi procédait à l'échange. Et ensuite, plus tard, le serviteur les récupérait. Et il allait les mettre en lieu sûr. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il était futé, ce brave Louis II. Et comment se fait-il que ton père soit au courant de ce secret? Le serviteur? Il s'appelait Talouber. C'était mon arrière-grand-père. On pourrait récupérer les documents signés dans les plus brefs délais. Et pour ce qui est de l'affaire France, nous allons faire profil bas pour le moment. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur Bessinger. Et vous, madame Talouber, je vous assure que vous avez pris la bonne décision. Et pour ce qui est de votre fils, si je peux faire quelque chose pour vous aider... Oui, au revoir. Au revoir. Alors, est-ce que le champagne est au frais? Suzanne, il ne manque plus que le fils et nous pourrons commencer. Félicitations. Tu n'as pas remarqué qu'il est accusé de meurtre? Si on arrive avec une signature maintenant, je pense que tout sera fichu. Oui. Dans ce cas, je compte sur toi pour avoir une idée brillante. Backhouse? Oui? Qui est là? Salut, Vigard. C'est Victor. T'as une minute à me consacrer? C'est important. C'est quel sujet? Tu veux que je te raconte ça dans l'interphone ou quoi? Attends, j'arrive. Où est-ce que vous m'emmenez? Et où est mon avocat? On vous emmène à la maison d'arrêt. Votre avocat vous rejoindra là-bas. Et pour l'enterrement de mon père? C'est le procureur qui décidera s'il vous laisse y aller ou pas. C'est un tout petit peu compliqué. On a Louis II. Non, là, c'est le premier des Louis, tu regardes. Mais je suppose que tu le sais. Louis Ier, Maximilien II, Louis II, le prince régent, Louis III, et puis la Révolution. Et là, on a plus ou moins enfermé Louis II au château de Berg. C'est à cause de ses soi-disant troubles mentaux. Et évidemment, c'est aussi pour le protéger. Dans le parc, il y avait des gendarmes qui patrouillaient. Et au cours de ses promenades, il y avait normalement deux gardes qui le suivaient, mais pas là. J'aurais mieux fait de lire tes bouquins, hein. Quoi les lire? T'aurais dû les acheter, oui. À 20h, comme le docteur Goudon n'était toujours pas rentré, le médecin assistant commence à s'inquiéter et il se décide à envoyer trois gendarmes dans le parc. Ah oui, dis-moi, est-ce que c'est vrai que Sissi a envoyé une calèche pour permettre à Louis II de s'enfuir du château? Je t'en prie, arrête ces bêtises à propos de Sissi. Non, tout le domaine est alors fouillé par l'ensemble du personnel. Et finalement, à 22h30, quelqu'un retrouve le manteau et la tunique de Louis II, toujours l'un dans l'autre. Et le chapeau avec la grappe de diamant posé délibérément au bord du lac. Bah tiens, exactement l'endroit où ces imbéciles ont tourné récemment. Et quelques temps après, ils ont sorti les corps sans vie de Goudon et de Louis II. Quoi, s'il te plaît, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces idiots? Qu'est-ce qui nous vaut une invasion pareille? Rien. Tu te rends compte, toute cette folie pour un simple film publicitaire? Alors la presse en fait ses gros titres, la télé passe ça en boucle. Eurofun, Eurofun, il y en a partout du Eurofun. Et basta, c'est un petit rusé. Et comme il y a des tas d'histoires, c'est facile d'en inventer d'autres toujours plus extravagantes. Puisqu'on parle d'extravagance, qu'est-ce qu'il y a de vrai avec le parapluie de notre ami? Comment ça, le parapluie? Eh bien oui, le comédien qui joue Louis II dans le film, tu l'as bien vu, il se baladait avec un parapluie. Alors, puisque tu trouves ça idiot, explique-moi. Ah oui, c'est vrai, Mauder, c'est un des gardes malades, il a donné un parapluie au roi. C'est vrai qu'on a retrouvé un parapluie avec les affaires du roi et tout ça sur la rive. Mais ça veut dire qu'il ne pouvait pas avoir le parapluie avec lui dans l'eau. Et en plus, ça veut dire aussi qu'il se serait battu en chemise contre Goudon, c'est idiot. D'autres questions? Je viens de parler à Franz, il m'a raconté autre chose. Ah oui? Et quoi donc? Est-ce que tu savais que l'arrière-grand-père de Franz était un des serviteurs du roi? L'arrière-grand-père de Franz? Et moi, je suis l'empereur de Chine, alors? Non, arrête, il force un peu trop sur la drogue, le Franz, ces derniers temps. Oh, oui, moi aussi, j'ai trouvé ça invraisemblable. Et puis, j'ai pensé que si quelqu'un pouvait me renseigner, ça ne pouvait être que toi. Il y a eu Louis Ier, Maximilien Louis de II. Comment? Oui, Louis II, oui. Louis II, oui. Le prince régent. Le prince régent, oui, Louis III, et puis nous avons la Révolution. Oui, c'est ça.
Disons, toi et l'histoire, ça fait deux. Il est dingue ou quoi? Oh, j'ai mal. C'est pas vrai, vous êtes en manque? Non, j'ai la diarrhée. Garde-toi sur la droite, Ebert. C'est une épidémie. Creulich est malade, lui aussi. Pourquoi tu t'intéresses tellement à Louis II, au fait? Tu te découvres une soudaine passion pour l'histoire? Alors, est-ce que tu connaîtrais un secret fantastique? Dis-moi, cette chasse au trésor, ce ne serait pas ton idée? Parce que dans le pays, c'est toi le spécialiste de Louis II et le conseiller de Ruffin. Il vaut mieux pas que ça se sache, sinon je me ferai lyncher. Mais oui, c'est assez invraisemblable. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Attention, méfie-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est des rats. Il y a un maximum de bestioles. Tous les deux jours, je vide les pièges et j'enterre les rats. Mais pourquoi ça? Parce que cette vermine n'arrête pas de vider les poubelles. C'est vrai, c'est une vraie infection. Ben quoi, il n'y a pas de rats chez toi? Pas que je sache. Alors, Hermine, on fait des heures supplémentaires? Ça fait déjà plusieurs fois que je vous demande de régler l'histoire de la machine à laver. Je commence à en avoir par-dessus la tête. La commande doit partir aujourd'hui. Je vous ai apporté les prospectus. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qui ça peut bien être? À cette heure-là, ça ne se fait pas. Oui? Bonsoir. Je voudrais parler à Monsieur Capelliari. C'est urgent. Une seconde. Il y a une dame à la porte de derrière. Oui. Elle veut vous parler. C'est urgent. Monsieur Capelliari, excusez-moi. Je passais devant chez vous et j'ai vu qu'il y avait encore de la lumière. La police vient de m'appeler. Franz s'est échappé. Il faut que je vous parle. Quoi, Franz? Bon, allons de l'autre côté. Hermine travaille ici. Je vous en prie. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir directement la police? Vous connaissez Franz. Je suis persuadée qu'il va finir par venir ici. Monsieur Capelliari, il ne faut pas l'abandonner. Je vous en prie, même si pour le moment, c'est plutôt difficile. Oui. Pardon? Tout porte à croire qu'il est coupable aujourd'hui. Et il n'est pas coupable? C'est un faible. Je sais ce que tout le monde pense. Vous aussi, vous le pensez. Je me serais servi de lui, mais ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Je suis navrée de vous déranger, mais il commence à être tard. Professeur, vous voulez bien avoir la gentillesse de me raccompagner chez moi? Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Prochaine fois qu'on vous demande, appuyez sur l'accélérateur, pas sur le frein. La vitesse est limitée par ici. Venez voir ça. Il l'a étranglé et il l'a traîné jusqu'ici. Qui? Franz? Forcément. Quelque temps après qu'il ait pu nous échapper, sa maîtresse est tuée. La femme qui lui a procuré un faux alibi. Ça a tout l'air d'un règlement de compte. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un randonneur. Quand ça? Il y a à peine une heure. Non, je veux dire, quand a-t-elle été tuée? Eh bien, à première vue, entre 22h et minuit, je dirais. Suzanne Weber était chez moi hier soir entre 22h et minuit et elle était bien en vie. Voilà qui est intéressant. Vous allez nous raconter ce que vous savez en n'oubliant surtout pas les détails, professeur Capelliari. Vous entendez? Je veux tout savoir. Monsieur Kreulich, connaissez-vous Goetz von Berlichingen? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Et vous en êtes où avec Franz? Dès hier soir, nous avons lancé un avis de recherche. Sans succès jusqu'à présent. Je ne comprends vraiment pas comment il a pu vous échapper. Attendez, nous, on n'est pas responsables. C'est pas nous. Faut pas nous mettre ça sur le dos. S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez trouvé un collier quelque part par ici? Quoi? Comment ça, un collier? Nous sommes fiers de posséder la collection la plus complète sur l'histoire de Louis II de Bavière. Elle est supérieure à celle de la Bibliothèque nationale. Ça devrait suffire pour commencer. C'est pas possible, je vais en avoir pour des mois. Si vous préférez, nous avons un traitement informatique des données. Je cherche les noms de toutes les personnes qui étaient présentes au château de Berg la nuit de la mort de Louis II. Et il faut que je retrouve les passages où les noms sont cités.
C'est beau, la culture. Ne bougez pas. C'est monstrueux, ce qui est arrivé à Suzanne. Ouais. Qu'est-ce que je vous sers, professeur? Une bière blanche, mais j'ai déjà commandé à Hardy. Le médecin est allé voir la Talouber, vous imaginez le... le choc. Qu'en pensez-vous? Je n'en pense rien. Ça fait deux meurtres en si peu de temps. Vous avez un avis? Je n'ai pas d'avis non plus. C'est le roi qui se venge. Oui, Louis II veut que le secret de sa mort ne soit jamais révélé. Et c'est pour ça que Franz a commis un double crime. On verra bien qui sera le prochain. Ne dis pas de bêtises, Ortiz. Et tout ça à cause de ce satané parc. Enfin... je paierai la prochaine fois. Vers la porte d'entrée. Oh, c'est pile, c'est pas possible. C'est vraiment de la camelote, ces trucs. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Capelliari et je voudrais voir Madame Talouber. Je suis un ami. Max, le type s'appelle Capelliari. Comment ça s'écrit? Comme ça se prononce, avec un C. Comme ça se prononce, avec un C. Faut que mon collègue vous trouve sur sa liste. D'accord. C'est bon, Madame Talouber est là-bas, deuxième porte à gauche. Je ne pense pas que Franz ait commis ces crimes. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans la tête de quelqu'un. Oh. Anna Simbach est venue me voir avec toute la famille et aussi Louis Backhaus. Et il voulait quelque chose en particulier? Quand Backhaus m'a apporté de très belles roses. Elles venaient de son jardin. Tu sais que Sepp et Backhaus étaient plutôt bons amis avant que Sepp ne finisse par gâcher cette amitié avec tout le reste. Non, je ne savais pas, Anna. Moi aussi. Ça fait même longtemps, une minute que je calcule. Oui, ça fait déjà 8 ans que Backhaus est venu s'installer dans le village. Et ils se sont disputés il y a 2 ans. Oh, le temps passe si vite. Tu t'es souvenu de quelque chose, au fait? Oui. Je me rappelle que le soir où Sepp était avec la pelle chez nous, je crois bien que... qu'il voulait aller au moulin. Au moulin? Oui. Et pourquoi faire? Alors là, j'en sais rien. Je me rappelle seulement que, qu'il n'était pas question de toucher au moulin. Il ne voulait pas qu'il soit détruit. Il disait qu'il était protégé par Dieu et par le roi. Il était complètement obsédé par Louis II. Quand Sepp t'a parlé de Louis II, est-ce qu'il a aussi parlé d'un parapluie? Quoi? Je ne m'en souviens pas, non. Je suis tellement fatiguée. Qui est là? Allons, Hermine. Vous ne me reconnaissez pas? Oh, c'est vous, monsieur. Le professeur a dit que je ne devais laisser entrer personne. Non, personne. Et alors? Vous ne faites jamais ce que dit mon fils, en général. Professeur Capelliari. Une minute, monsieur Bast. Je n'ai pas une minute, je regrette. Vous avez déjà lu le journal de demain? C'est terrible pour notre réputation, je vais porter plainte. Très désagréable, ce parallèle entre la société Eurofun et le meurtre. Ce n'est pas une bonne publicité pour le parc d'attractions. Vous aussi, vous voulez que ce meurtre soit élucidé? Je vous ai déjà posé la question. Est-ce que c'est vous qui avez poussé Suzanne Weber dans les bras du jeune Talouber? Cette pauvre femme est morte. Cela dit... je ne l'ai pas poussée dans ses bras, j'ai juste souhaité qu'elle attire Franz dans notre camp. Je ne pouvais pas deviner qu'elle allait s'amouracher de lui. C'est horrible. Quoi? Pour Suzanne Weber. On peut faire une croix sur le projet. Combien de temps Suzanne Weber a-t-elle travaillé pour vous? Une bonne année environ. C'était une femme remarquable.
Elle savait tout de suite ce qu'il fallait faire. Brillante et terriblement féminine. Une combinaison très rare. Comment tu es entré, toi? Comme d'habitude, par la porte. Et où est Hermine? Elle a préféré rentrer chez elle à vélo pendant qu'il faisait encore jour. Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, mon cher garçon, je vais être très franc, c'est étonnant de voir à quelle vitesse on trouve les choses quand on sait ce qu'on cherche. À quelle vitesse on trouve quelque chose quand on sait ce qu'on cherche? Tu es un vrai génie, papa. Oui, et il y a une visite, au fait. Tiens, il est dans la cuisine et il vide ta boîte de biscuits. Tu ne te conduis pas vraiment comme un double assassin. Pour Suzanne Weber, tu es déjà au courant? Il faut que tu me racontes tout, Franz, tout de suite. Que sais-tu sur Suzanne Weber? Ça, c'est incroyable. Où est passée cette boîte de biscuits? Je viens juste de nettoyer. Attention, monsieur. Oh, excusez-moi, Hermine, mais je suis allée faire un petit tour dehors. Au fait, pour que vous soyez au courant, demain, ils vont livrer la machine à laver, le modèle Zeus. 1250 marques, par chèque ou en liquide. Je croyais avoir compris que c'était 1138 marques seulement. Comme vous êtes terriblement occupé, j'ai dépensé un petit peu plus pour qu'il livre la machine à domicile. Oh. Vous étiez où, sitôt? Je vais vous chercher un chèque tout de suite. Ah, tu es déjà réveillé. À mon âge, on sait tout. Dis donc, ta banque a déjà appelé plusieurs fois. Si tu as des soucis d'argent, vendons la maison. Elle est trop grande de toute façon. Les rapports et les théories sur la mort de Louis II sont bien plus captivants que des romans policiers. Tiens, il y en a un qui prétend... Excuse-moi, c'est le tien, non? Tu peux regarder s'il marche encore. Dis, je commence à me faire du souci. Oui, allô, Gustave, c'est moi, Victor. Tu as écouté mon message sur ton répondeur? Ah, oui. Oui, bien sûr, je sais que ça peut te coûter ta place, mais c'est important. Et tu sais que je suis capable d'être muet comme une tombe, non? Oui, personne ne sait qu'à l'époque où ta fille a passé son diplôme, j'ai... Oui, bien sûr qu'elle est devenue une avocate tout à fait remarquable. Je vais te faire une proposition. Tu me réponds oui ou non, d'accord? Est-ce que notre ami a de graves problèmes d'argent? Ah. Est-ce que ton fils est encore à la fac? Alors dis-lui donc de venir me parler. Et mes amitiés à Gabi. Oui, d'accord. Si mon collègue n'était pas là, je ne serais pas planté là à vous attendre. Vous devriez nous dire ce que vous savez, sinon je vais me fâcher. Allons à l'intérieur. Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas ensemble. C'est l'homme en question? Oui. Capelliari. Backhaus? Vigueur? Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes un véritable chien de garde. Je suis un ami de Monsieur Backhaus. Ça, c'est facile à dire. Monsieur Backhaus n'est pas là. Il est difficile à joindre. Alors, Vigueur, d'où tu sors? La barrière était ouverte. Discutons pas ici. Entre, j'ai pas de permis pour ce truc. Tu chasses toujours les rats? Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans, Victor, avec ces histoires de meurtre? Oh, je joue simplement les bons offices. C'est Antonia qui me l'a demandé. Au fait,
J'aurai encore besoin de tes conseils d'expert, si ça ne te dérange pas. J'ai le pressentiment que ces deux meurtres ont été commis à cause de documents secrets concernant le roi. Oh non, c'est ridicule. T'as demandé mon avis de spécialiste, alors je vais te le donner. Il n'y a pas de documents secrets. Ou alors... Ou alors rien, mon vieux, il n'y a pas de documents secrets. Et en plus, s'il y en avait, il n'intéresserait que les véritables collectionneurs. Mais pas à ce point-là, en tout cas. Tu oublies le million. Tu connais le moulin de la Prairie du Roi? Le moulin de Taloubeur? Oui, exactement, oui. Je voudrais te montrer quelque chose. Tu viens? J'ai pas beaucoup de temps. Bon, d'accord, je viens, mais je prends ma voiture parce qu'il faut que j'aille à Starnberg après. Dans un quart d'heure? Hein. Tu me racontais un peu cette théorie bizarre que t'as imaginée, Victor. Admettons qu'il existe des documents que le serviteur du roi réussit à faire passer à l'extérieur à l'aide de ce fameux parapluie. Des documents qui prouvent bien qu'il y a un complot contre lui. Leur cachette est secrète, naturellement. Et ils vont être protégés et surveillés pendant plus de 100 ans par une seule famille. Celle du serviteur, et ensuite par ses descendants. On t'a jamais dit que t'avais une extraordinaire imagination? Le serviteur s'appelait Taloubeur et Joseph était son arrière-petit-fils. Et un beau jour, il raconte l'histoire à son fils, Franz. Il craignait que son cœur ne puisse pas tenir encore longtemps. Mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'il y avait quelqu'un en dehors de la famille qui était au courant de cette histoire. Appelons-le Monsieur X. Victor! Non, non, attends. Mais le vieux Taloubeur a un doute. Il doute de la fiabilité de son fils. Il l'accuse même de l'avoir trahi et il est même décidé à le déshériter. Il n'a plus confiance en lui. Franz, lui, veut vendre le domaine et ce vieux moulin en même temps. Alors, au milieu d'une nuit, le vieux Taloubeur part sur la route avec une pelle. Pourquoi? N'a aucune idée. Il veut mettre les documents secrets dans une autre cachette. Alors ce serait ton mystérieux Monsieur X qui l'aurait tué et pas cet idiot de Franz. Il se met en route, il tombe sur Franz qui rentre du lieu de tournage du film et ils se disputent violemment. Il laisse Franz en plan et il se dirige vers la cachette. Ici, au moulin. Et qu'est-ce qu'il croise? Ton Monsieur X. Exact. Enfin, je crois. Lui aussi, il cherche les documents. Et il est surpris par le vieux Taloubeur. C'est un coléreux et, bien entendu, il se bat avec lui. Et Monsieur X frappe. C'est de la légitime défense. Mais malheureusement, il frappe trop fort. Et il tue le pauvre vieux. Sans que celui-ci ait eu le temps de révéler son secret. Un accident stupide. Et pourquoi ton Monsieur X veut-il tellement ces documents? Si je me souviens bien, l'offre d'un million n'a été rendue publique que le lendemain. Monsieur X était déjà au courant de cette proposition. Bast. Tu as compris. Tu penses que Bast est ton Monsieur X? Non, ce n'est pas Bast. C'est toi, mon vieux. C'est toi, Monsieur X. Ah, c'est pas drôle. C'est toi qui as tué le vieux Taloubeur. Et tu as mis la pelle dans le coffre de la voiture de Franz. Et puis, tu es venu me cambrioler. Tu voulais me provoquer pour voir si j'avais flairé quelque chose. Ou alors, tu voulais me faire peur. C'est ça? Continue. Et là, ça a été ta première faute. Tu as tout cassé chez moi. À part ma belle lampe 1900. C'est clair, t'es un connaisseur. Victor, qui est-ce qui vient? Et ensuite, tu as commis une deuxième erreur. Tu es un grand spécialiste de Louis II de Bavière. Et soi-disant, tu ne savais pas que le serviteur s'appelait Taloubeur, alors que mon père a été capable d'obtenir cette info en moins d'une demi-heure. Qui vient, Victor? C'est toi, Franz? Allez, viens, entre.
J'allais poser une question importante. Pourquoi fallait-il que Suzanne Backhaus disparaisse, elle aussi? Suzanne Backhaus? Et qui c'est? C'était jusqu'à il y a 8 ans l'épouse de ce monsieur. Mets-toi par là, Franz. Il y a 8 ans, elle a divorcé. Et elle est revenue il y a 1 an par ici sous le nom de Suzanne Weber. Fais pas de bêtises, Capelgari. Allez, continue de causer. Mais avec les mains. Dépêche-toi. Franz, tu pourrais l'aider? Vigueur. Allez! Est-ce que t'es agaçant avec ta curiosité maladive? Comment tu as su que Suzanne est morte? Hein? 3e erreur. Et elle était de taille. Suzanne Weber portait toujours ce superbe collier ancien. Elle le quittait, Franz? Non. Jamais. Jamais. C'était son ex-mari qui lui avait offert. C'est elle-même qui me l'a dit. Mais sur son cadavre, il n'était plus là. Pourquoi, Vigueur? Dépêche. Sans doute parce que ce collier avait trop de valeur pour un cadavre. Autrement dit, c'est moi le coupable. Et ça serait quoi, mon mobile? Tu lui devais de l'argent. Je pense qu'elle a dû exiger que tu vendes une partie de ta collection. C'est pour ça que la récompense devenait intéressante. Suzanne devenait ton arme secrète. Elle devait se débrouiller pour que Franz lui révèle la cachette. D'ailleurs, elle y est presque arrivée. Mais tu as fait l'erreur de tuer Talhuber et elle a pris peur. Elle ne voulait plus rien faire. Elle a voulu se venger. Elle voulait de l'argent, alors elle m'a fait chanter. Elle avait peut-être décidé de prendre le parti de Franz. Mais Franz n'était pas seulement au courant de la cachette. Il va toucher un gros héritage. Sors-moi ça de là. Franz, tu as parlé de ce moulin à Suzanne? Je suppose que j'y ai fait allusion. Oui. Et Suzanne te l'a raconté, et tu es venu chercher ici, mais sans succès. C'est vrai, mais maintenant vous êtes là. Allez, donne. Donne! Dépêche-toi, ouvre! Comment tu allais pouvoir gagner ce million? Ça aurait paru bizarre que toi, le conseiller de Ruffin pour cet événement, tu arrives avec ça, non? Je connais des imbéciles qui ne demandent qu'à empocher quelques millions de marques. On a assez bavardé comme ça, Capelgari. Allez, debout! Donne-moi ce coffret. Donne. Tu ne peux pas t'en tirer. Backhaus, tu ne toucheras jamais ton million, c'est fini. Contre le mur. Allez. Tourne-toi. Tu penses que j'aurais commis 2 meurtres pour ne pas toucher mon pognon? Et alors? Tu vas nous abattre? Comme ça? Tu t'es foutu de moi! Vous en faites de belles, mon cher Capelliari. C'est à lui. J'ose espérer que vous aviez un permis. Vous pourriez être un petit peu plus reconnaissant, Kreulich. Tenez. Vous auriez quand même pu arriver plus tôt. Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait vouloir me tuer. Si vous nous aviez expliqué la situation, on ne vous aurait jamais laissé entrer. Si je vous l'avais dit, vous m'auriez pris pour un dingue. Ah! Ça, c'est vrai. Vous avez entendu ce qui s'est passé à l'intérieur? Alors, Franz, elle est où, cette véritable cachette? Hein? Ça, jamais personne ne le découvrira. Que vont devenir les 153 lits? Ce sera juste assez pour une revitale... Une revitalisation. Ce sera une maison de repos pour les patrons stressés. Une bonne petite cuisine macrobiologique. Vous savez, professeur, il faut simplement savoir combien font 2 et 2. Oui.
Je sais. Bast était content de ne pas être obligé de nous acheter la ferme, finalement. Le contrat était parfait. Avec l'indemnité, Franz va pouvoir tout moderniser. Et moi, je vais voyager. J'en ai toujours eu envie. Ouais. Et toi, Franz? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester comme je suis. Je sais rien faire d'autre. Restez assis. Merci, Victor. Tu sais qui elle me rappelle? Non. Qui ça? L'impératrice. Mon cher fils, tu me chagrines. Tu manques vraiment de sobriété. La sobriété, c'est de savoir apprécier ce que nous n'avons pas. C'est valable pour nous tous.